Ben oui, je m'en allais à comme... Madame Desgnaux. Hey, Mario, ça soigne, ça, hein? Pelule, puis c'est bon. Est-ce qu'il nous manque des chaises? On a-tu... On a trop ici au conseil. Ouais, on a deux places. Vous pouvez vous asseoir. Il y en a une dans la section presse. C'est bon? C'est-tu correct? Oui. Bonsoir tout le monde. On va procéder d'abord. Est-ce qu'on procède d'abord aux ajouts au retrait? Allons-y. Bonsoir. Madame la mairesse, on a un ajout ce soir à 15.1. Félicitations à Raphaël Lavoie pour la victoire du Canada et l'obtention de la médaille d'or au championnat mondial junior. Parfait. Je veux juste profiter, en fait, de notre nouvelle régie interne qui me permet de prendre la parole pour attirer votre attention sur un point en particulier avant la période de questions. Je veux qu'on fasse un petit topo sur l'adoption, en fait, du plan d'urbanisme. C'est un gros point, en fait, c'est plusieurs points qu'on a à l'heure du jour. Vous allez d'ailleurs pouvoir voir toute la documentation qui est à l'arrière pour consultation. C'est après 2 ans là, où le plan est bloqué qu'on est enfin prêt à amorcer le processus d'adoption. Je parle d'amorcer le processus parce que je veux d'emblée vous dire qu'on va procéder à l'adoption de projets de règlement ce soir. Donc, c'est vraiment une étape où ce qu'on veut faire, c'est avoir tous le même document de travail. Donc, à partir de demain, ce sera disponible sur le site Internet pour que les citoyens, les conseillers, les fonctionnaires, tout le monde, on ait la même information de base pour entamer le dialogue. Donc, si vous avez des questions, il y aura une possibilité sur le site Internet directement de les adresser. Il y aura aussi une consultation prévue, une consultation publique qui est prévue à la loi. Vous vous souvenez, on est revenu en arrière au niveau de la loi d'aménagement du territoire. Donc, il y aura aussi les ouvertures de registre. Donc, c'est vraiment le début du processus. Je veux juste être sûre que ce soir, on le prend en compte aussi dans la période de questions. Donc, on ne s'attarde pas nécessairement au plan d'urbanisme, mais qu'on puisse répondre à toutes les questions sur les points à l'ordre du jour, donc pas seulement là-dessus, parce qu'on aura une assemblée de consultation publique uniquement sur le plan d'urbanisme. Donc, ce sera peut-être le moment, à ce moment-là, là, d'aller plus en profondeur. Ce soir, c'est vraiment un dépôt de toutes ces informations-là. Donc, on amorce le processus, avec enthousiasme d'ailleurs. Voilà, qu'on peut ouvrir la période de questions, 19h32. Monsieur Allard. Bonjour, Madame Labbé, ça va bien? Oui, ça va bien. Vous? Bonne année à passant. Merci, bonne année, effectivement. Bonne année à tout le monde. Merci. Merci. Je les ai appelés pour leur souhaiter. Oui. Ah. Merci. Bon chanceux. Sans négliger. Il n'y a pas là, Richard. Il n'y a pas de réponse. L'année prochaine, Richard. Numéro pour me rejoindre, là, si je peux. Ma question, Madame Labbé, je sais pas s'il y a un règlement à Chambly pour les garages qui ont des pneus qui sont... Je pose la question parce que moi, le garage au coin de chez moi, là, il y en a pas mal. Là, puis la semaine passée, il y a des jeunes qui s'en vont mettre le feu là-dedans. Fait que je me dis, si le feu pogne, là, ça va flamber. Puis il va y avoir beaucoup de personnes qui vont être obligées d'être évacuées. Fait que je me demandais s'il y avait un règlement pour ça à Chambly. Précisément pour les pneus? Non, on n'a pas un règlement précisément pour les pneus, mais c'est les pneus, puis la ferraille, tout ça, c'est intégré dans ton règlement de nuisance. Fait que okay. Si jamais il y a une problématique, on peut envoyer un inspecteur municipal, que ce soit une propriété résidentielle ou commerciale. Parce qu'il y en a pas mal, là. Il y en a pas mal, là. Puis c'est ça. Puis sa porte par les là est ouverte. Fait que je me dis, n'importe quel heure, quelqu'un va, puis... Sont à l'intérieur ou à l'extérieur? Ils sont dehors. En arrière du, de la bâtisse. Et en même temps, M. Auclair, vous voudriez voir aussi le garage sur Bourgogne, là, Outremont. Parce que l'autre fois, j'ai passé, puis quand il mouillait, il y avait des autos accidentées, puis l'huile, elle coulait tout dans les égouts de la ville, fait que je me demandais si quelqu'un la ville peut faire pour ça. Là, fait que... Bon, c'est sûr que ce garage-là est la fourrière municipale, fait que c'est sûr que tous les véhicules qui sont remorqués par la régie de police vont sur ce site-là. On peut valider et faire un suivi. Et c'est beau, merci. Merci beaucoup. Jean-Patrice Martel. Bonsoir, bonne nuit. Bonsoir. À vous aussi. District 5. Je viens ici pour parler un petit peu du fait qu'il y a un hebdomadaire, un journal régional plutôt, en ligne qui a disparu il y a quelques jours. Chambly Matin, je trouve que c'est vraiment dommage. Il en reste plus énormément. Il reste le journal de Chambly, Chambly Express, Montérégien.
Pardon, est-ce que... Oui? Le micro fonctionne, mais il faut parler proche. Oui, OK, plus ouais. proche. Non, oui, je disais, je pense qu'il reste le journal de Chambly, Chambly Express et le Montérégien. Est-ce que je me trouve, est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce que j'en oublie? Je pense que c'est pas mal ça. Au niveau des journaux, effectivement. Ouais, on peut penser que Chambly Matin, ce n'était pas un gros média, ce n'était pas un gros journal, mais ça avait quand même son importance. Bon, c'est sûr qu'à une époque, Radio-Canada s'intéressait à Chambly, mais je pense qu'on ne s'ennuie pas de cette époque-là. Donc, Chambly Matin, il est arrivé d'avoir des scoops, même. Oui, il l'a nommé. Ouais. Oui, oui. Je n'ai pas nommé l'écluse qui montre que c'est un peu particulier. Non, c'est... Ah ben, l'écluse, c'est un bulletin municipal. Oui, on est ailleurs. Là. Oui, oui, je comprends. Donc, oui, c'est ça. Donc, les Chambly Matin ont déjà eu un scoop qui est au mois de juin l'an dernier. Encore aucune demande de remboursement des factures de crédit envoyées à Denis Lavoie. Bon, je n'irai pas plus loin là-dessus. C'était aussi du fait que c'était archivé en ligne. C'était un petit peu la mémoire quand même de la politique de Chambly. Et en fouillant un petit peu, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. À une époque où on voulait changer le nom du comté provincial de Chambly, du comté fédéral, pardon. Et ça disait, Denis Lavoie a affirmé que cette décision était vexante pour les citoyens de Chambly qui vivent dans l'un des plus vieux comtés du Canada. Il faut avoir une méconnaissance de ce comté pour soumettre une telle proposition, de retirer à ses citoyens leur sentiment d'appartenance, vient à l'encontre de toute notion de démocratie représentative. L'histoire du Canada, du nord-est des États-Unis s'est jouée ici. Nos communautés ont su préserver cet héritage. Pourquoi voulez-vous le retirer? Alors, bon, toute ressemblance avec la saga de la rue Ostiki est sûrement complètement fortuite. Voilà. Je voulais demander, est-ce qu'il serait possible, c'est quelque chose qui avait déjà été proposé, je pense par vous d'ailleurs, de mettre en ligne sur le site de la ville les enregistrements audio des séances du conseil municipal de l'époque où est-ce qu'ils étaient enregistrés. La demande a été faite. Oui. On est en processus pour le rendre possible, mais effectivement, c'est quelque chose qu'on voulait rendre disponible. D'avant, on pourrait pas. On va vous revenir là-dessus. Mais au moins faire ceux à partir de maintenant. Dès qu'on va pouvoir le rendre possible, on le fera. Oui. D'ailleurs, moi, je voulais d'ailleurs suggérer que, bon, en ce moment, il y a sur la page d'accueil de la ville, il y a compte rendu puis il y a web diffusion. Mais sur la page compte rendu, c'est à côté de chaque ligne représentant la séance du conseil pour laquelle il y a compte rendu, s'il y avait carrément un lien direct. Les procès-verbaux? Ouais. De la web diffusion, comme ça on ne serait pas obligé à chercher à deux endroits. Effectivement, j'allais dire qu'en fait, en fait d'audio, vous avez accès à toutes les séances du conseil depuis la web diffusion là, sur la page YouTube de la ville, mais effectivement, on pourrait mettre le lien directement à côté de chacun des procès-verbaux. Oui. On vous dit que l'audio est déjà disponible en YouTube. Bien, en fait, tous les fichiers de web diffusion, donc tous les vidéos, bien, comportent la portion audio là, okay. Non, mais je parle automatiquement. De... Là. Quand il n'y avait pas de vidéo. Ben, c'est sûr que cette portion-là est manquante. On va vérifier, voir okay. ce qu'on est capable de faire. OK, merci. Dernière chose, rapidement, le service qui permet d'informer les gens qu'il faut garer leur voiture, qu'il ne faut pas laisser les voitures dans la rue le soir, est-ce que c'est un service qui coûte cher à la ville? Excellente question. Je vais vous dire pourquoi je pose cette question-là, parce que je me demandais si on ne pourrait pas l'étendre éventuellement à d'autres circonstances. Par exemple, aller porter des appareils électroniques un samedi, ça sera disponible un samedi par année. Le prochain, c'est au mois de mai. Je vais peut-être oublier quand je vais être rendu au mois de mai. Puis la semaine, moi, pour moi, c'est pas pratique. Des choses comme ça, éventuellement, ça pourrait être utile pour la population. Et ça fait je peux partie le mettre dans mon agenda, mais je ne consulte pas souvent mon agenda le samedi. Mais ça fait partie d'une grande réflexion qu'on a à faire au niveau des communications. Je pense qu'on n'est pas la seule ville à avoir cette réflexion-là à faire. Je pense que ça part un peu de la première réflexion de dire qu'il y a un journal qui a carrément disparu cette semaine. Je pense que nos communications sont toutes en train de changer. Là, chacun a aussi sa façon préférée de communiquer ou d'aller chercher l'information, que ce soit par Internet, que ce soit les versions papier.
Le retrait de la distribution de l'écluse, c'est un premier test qu'on fait. On va voir si à 1000 copies papier, on en a encore suffisamment ou pas. Donc, c'est tout un processus d'adaptation qu'on a commencé. Effectivement, de voir si la ligne téléphonique peut être utilisée pour d'autres choses. Est-ce qu'on va avec une application intelligente qui va vous permettre de vous abonner à certaines alertes et pas d'autres? On est en processus de réfléchir à tout ça. Donc, on entame la réflexion. Ouais. Je vous remercie. Merci. Daniel Laplante. Bonsoir à toutes les personnes. Bonjour, Alexandra. Bonjour. Je suis un habitué de ces réunions-ci. C'est pour ça que je viens voir. Je vous ai soumis un projet le 12 décembre dernier, okay, qui se trouve être le jeu du mois à Chambly. Excusez. Donc, je vous ai proposé un nouveau projet qui est le jeu du mois à Chambly, qui est un jeu d'énigmes, okay, où que les gens contribueraient avec 2 $ okay, à résoudre une énigme qu'on poserait, mm-hmm, dans le but de ramasser des nouveaux revenus pour les organismes communautaires. Okay? Oui. Je voudrais savoir si la Ville va se pencher bientôt sur ça. On va vous revenir là-dessus avec les vacances et tout ça. Je n'ai pas encore eu le temps de tout regarder, les détails de faisabilité, mais oui, on va vous revenir là-dessus, M. Laplante. Vous avez parlé à la source du bassin de Chambly, puis à Posa. Oui. Okay, c'est sûr qu'eux seraient vraiment intéressés à vous aider à encadrer ça. Là. Okay. Parfait. Bien, on prend bonne note de ceux qui pourraient participer merci avec tout ça. Merci. Bonne année à tout le monde. Merci, vous aussi. André Bugeaud. Bonsoir. Bonsoir. Tout le monde m'entend? Oui. Meilleurs vœux à tous les élus. Merci. L'occasion de 2020. Merci pareillement. Je vais poser en une question quelque chose qui touche deux sujets. La politique environnementale de la Ville et le plan de conservation des milieux humides. Est-ce qu'il est dans l'intention de la Ville de faire une mise à jour de ces documents? Est-ce que tu veux répondre, Pierre? Oui. Dans le cadre, dans le fond, de la table pour l'environnement, là, c'est un des points qu'on va travailler. On a eu une seule rencontre avant les fêtes, et puis là, on se rencontre demain soir à nouveau. Puis, entre autres, ce soir, bien, il y aura la signature, l'adoption pour le pacte pour la transition, qui est seulement, dans le fond, une brèche, là, une ouverture pour tout ce qu'on va vouloir faire en environnement. Et la politique en environnement, la mise à jour est au centre de tout ça, évidemment. Là. OK. La politique environnementale avait été adoptée en 2009. Donc, ça fait déjà 10 ans et plus. Le plan de conservation, lui, à ma connaissance, n'a jamais été adopté. Ouais. Alors, est-ce qu'on est on a aussi l'intention, éventuellement, une fois qu'il aura été mis à jour, de l'adopter? Oui, on a l'intention, bien, l'adopter tel quel. Moi, je ne l'ai pas encore regardé, là, pour être honnête. Là. Mais on a l'intention, dans le fond, de prendre plusieurs actions, entre autres en 2020, par rapport à l'environnement, et une à la fois, évidemment. On veut entendre les citoyens qui participent à la table avec nous. La politique environnementale est au cœur de tout ça. Il y a plusieurs autres actions. On veut se pencher sur tous les éléments, dans le fond, de l'environnement, puis faire notre part pour Chambly, là, humblement. Là. Ouais. OK. Maintenant, les projets de plan d'urbanisme auxquels on va avoir accès à partir de demain, espérons-le, est-ce qu'ils ont été élaborés par le personnel de la Ville ou si des firmes extérieures ont été mises à contribution? Bien, en fait, c'est le personnel de la Ville... C'est le personnel de la Ville qui a travaillé, mais on a engagé un consultant pour nous donner un coup de main, surtout pour l'aspect conformité et la mise à jour de tous les grilles. Là, on avait comme 400 grilles. Puis un des règlements qu'on... Bon, quand on modifie un règlement, des fois, on modifie 4 articles, mais ça décale les 800 articles du règlement, puis c'est tentaculaire. Généralement, dans nos grilles, on fait des références aux articles, tout ça. Fait que généralement, le consultant, c'est surtout ce qu'il a fait. Okay. Ce qu'on appelle l'exercice de concordance, puis s'assurer que tous nos règlements puis les articles qu'on a bougés, bien, dans l'ensemble de nos règlements, ce soit représentatif et au niveau légal, tout est correct. Donc, le consultant nous a surtout aidé pour cet exercice-là, plus que pour le volet, exemple, plan d'urbanisme, idée. Ça a été fait plus par le personnel à l'interne. Merci. Et je pense qu'il faut mentionner aussi qu'il y a eu un beau travail du côté des élus aussi. On s'est rencontrés, on a pris le temps de réfléchir aussi à certaines questions de développement harmonieux. Donc, ça aussi, là, tout le monde a été impliqué là, dans le processus. Bon, merci. Merci à vous. Merci. Madame Ariel. Bonsoir. Bonsoir. Ghislaine Ariel, secteur des cantons. Bonne année à tous, de la santé. Bonne année. Moi, je voulais poser des petites questions à propos de l'achat de containers pour le verre.
Boulevard. Oui. Boulevard. Oui. Bien, en fait, de voir ça, là, mais... Oui, bien, si vous voulez un peu plus de détails, je n'irai pas dans tous les détails parce qu'on a une belle communication qui va être faite autour de ça quand ça va être mis en fonction. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est une initiative qui vient d'une collaboration avec la MRC. Donc, c'est un projet pilote qui part de la MRC de la vallée du Richelieu. On n'est pas la seule ville qui va embarquer là, dans cette dynamique-là. Donc, on commence avec un premier container qu'on va essayer de situer là, le plus accessible, le plus central possible. Donc, comme je vous dis, là, suivez les communications de la ville, ça s'en vient. On va vous annoncer là, dès qu'il va être mis en fonction. Je sais qu'il est très attendu. On a tous hâte de l'utiliser. Donc, c'est vraiment un premier pas. Puis on verra aussi, là, je pense qu'il y a la consigne qui peut peut-être s'en venir, mais au moins, on s'est dit qu'en attendant, on aurait... Un bac? C'est un très gros conteneur. Mais pour les citoyens, là, ça va être comme les bacs, les gros bacs qu'on a pour les... L'équivalent d'un conteneur de construction. La taille, c'est un 20 verges. Pas ceux-là qui sont très hauts, là, mais ceux-là qui ont 4 pieds de haut, c'est 20 verges. C'est quand même assez costaud. Là. Ben oui, puis c'est nous autres qui va aller porter ça là. Oui, exact. C'est comme ça que ça fonctionne. Là. Pour les conteneurs récupérateurs de verre, pour le moment, c'est l'alternative. On verra quand ça sera le temps, s'il n'y a pas d'autres moyens, si le monde y va, puis c'est trop dur. C'est comme le bac brun, là, je regardais, vous allez faire l'achat de d'autres bacs. En fait, c'est plus un regroupement d'achats pour avoir une accessibilité à des pièces, des bacs de remplacement pour les bacs qui sont brisés, pour nous permettre d'avoir un meilleur coût, donc que ça nous coûte moins cher. On ne verra pas le jour pour des plus petits bacs. Mais en fait, il y a eu... Gros bacs, là, c'est... Pour les bacs bruns, là, la raison pour laquelle on a les immenses bacs bruns qu'on a, c'est qu'il y a un projet pilote qui a été fait au départ. Il y a vraiment des familles qui ont testé les différents formats de bacs. On s'entend qu'il fallait en choisir un pour toute la MRC, puis qui correspond à tous les besoins de tous les citoyens. Donc, c'est sûr que c'est difficile pour certaines personnes qui habitent seules, qui sont en condo, bien, ça aurait été le petit bac. Mais pour une famille qui a un grand terrain, des déchets de jardinage, des déchets de tonte de pelouse, bien, le grand bac était plus facile d'utilisation. Donc, c'est quelque part, il a fallu faire un choix pour la plus grande majorité de la population, puis c'est ce que le projet pilote a révélé, c'est que c'était le grand bac qui était le plus simple ou en fait le plus populaire d'utilisation. Donc, je sais que ça implique pour certaines réalités des défis de plus, là. Mais ça aurait pu être moins gros parce que c'est pour ça que le monde ne participe pas aussi, déteste ce bac-là. Mais je pense que c'est un peu comme le recyclage. Hein? À l'arrivée du bac à recyclage, on a toujours tous trouvé ça un peu plus difficile. Il fallait rincer nos contenants, il fallait prendre le temps de trier, il fallait prendre le temps de se poser des questions. Bien, on va se familiariser aussi avec le bac brun. Puis on a, je pense, des belles communications qui s'en viennent de la MRC aussi puis de la CEMEC là, pour nous aider à avoir des meilleurs outils là, pour l'utiliser comme il faut. Et de mémoire, il y a eu certaines municipalités qui ont pris des bacs parce que vous avez des 120 litres. Des 240, des 360. Nous, on a un 240. Il y a certaines municipalités qui ont eu des 120 litres, puis un an plus tard, il a fallu qu'ils changent des 240. Parce que c'était trop petit? C'est ça. Ça me surprend. Mais c'est... Au fur et à mesure, les gens s'habituent, puis... Mais, Monsieur Talbot? Madame Harel, selon Statistique Canada, je suis, dans le fond, le citoyen moyen de Chambly avec mon âge et ma famille. On est quatre. Et nous, le bac brun, non, mais parce que ça vient, tu sais, pourquoi est-ce qu'il y a eu un choix par le passé, c'est qu'on y va avec les statistiques. Et puis, moi, dans le fond, à la collecte, là, mon bac, il est plein à rabord. Et j'aurais même besoin d'en utiliser un autre. C'est ce que je fais avec mon gentil voisin, qui est aussi mon beau-père. Donc, donc je complète dans son bac. Et puis ça me permet, dans le fond, de faire ma part. Il y a beaucoup de personnes, mais beaucoup de monde du troisième âge aussi. Oui, oui. Mais je sais, là, c'est pas nécessairement l'idéal. Mais sinon, il y a je vois dans des immeubles locatifs, le petit bac pour remplir un plus grand bac, et que là, ensemble, le bon voisinage, il y a une personne qui va le porter, exemple, à la rue. Il y a ce genre de moyens pour y arriver. Je sais que c'est pas l'idéal, mais comme dans toute la vie, souvent, c'est la moyenne qui l'emporte. Il n'y a rien de parfait. Exactement, ça c'est clair. Merci, bonsoir. Merci à vous. Madame Béliveau. Bonsoir. Non, c'est... Oui, ça ne marche pas, on dirait... Il faut parler près, madame. Vraiment proche. Non, on dirait qu'il est fermé. Est-ce que le on-off a peut-être été accroché sur le micro? Hein? Je vais m'essayer. Ah, oui, ça marche. Bon. On vous entend. C'est pas si précieux ce que j'ai à dire, mais quand même. Alors, en lisant l'ordre du jour aujourd'hui, je ne sais pas si j'ai bien compris.
Alors, ce n'est pas l'adoption du nouveau plan d'urbanisme que vous allez voter ce soir. En fait, pour vous présenter un document, il faut d'abord adopter un projet de document. Parce qu'on ne peut pas vous présenter comme ça un document qu'on n'aurait pas un peu préparé à l'avance. Donc, c'est une façon de dire on le rend public, on discute de la même chose tout le monde en même temps, puis on se prépare pour la consultation publique. D'ailleurs, j'ai même une date pour vous, la consultation publique, marquez-la à votre agenda, 3 février. Donc, on va pouvoir se rencontrer. Ça nous donne du temps avant la consultation publique pour avoir le même document, tout le monde devant les yeux, puis prendre le temps de bien le regarder. Alors, ma vérification, ce serait de savoir, sur le projet que vous allez initier là, ce soir, qu'est-ce qui arrive de la rue Briand? Parce que les citoyens, c'est le comté, le Michel de Salaberry, on a voté à deux registres, à deux reprises, on a voté deux registres. Est-ce que c'est reporté sur le projet aussi? Vous avez... Je vais laisser M. Auclair vous répondre. Wow. Pour maintenir le zonage, on avait signé deux registres, les citoyens. Alors, qu'est-ce qui arrive du nouveau plan de votre projet là, ce soir? Est-ce que c'est complètement oublié, les registres qu'on a signés? Dans tous les commentaires qu'on a reçus, parce que c'est vrai que ce projet-là, de mémoire, là, a été déposé en deux reprises, une fois autour de 2012, une fois autour de 2015, a été rejeté deux fois par la population. Ce qu'on a mis comme zonage dans cet îlot-là, c'est de la résidence unifamiliale à 100%. Là. Ah oui? Oui, c'est ça. Il n'y a plus de triplex et sixplex. C'est de la résidence unifamiliale isolée dans un secteur, puis de la résidence jumelée contiguë ou de l'unifamiliale isolée dans le restant avec une densité maximale. C'est pas tout unifamilial, là? Ben, c'est tous de la résidence unifamiliale. Il y en a que c'est du jumelé, là, deux habitations unifamiliales collées une sur l'autre. Il n'y a plus de triplex ou de sixplex comme les projets initiaux. Et même dans certains cas, on avait une proposition de mémoire de 12 logements, là, deux sixplex qui étaient collés un sur l'autre. Ce ne sera pas permis. C'est exclusivement de la résidence unifamiliale qui va être autorisée dans ce secteur-là. Parce que au sujet de la densification, au stade où on est rendu dans la ville de Chambly, c'est un des derniers là, avec le golfe et quelques îlots là, où c'est encore à construire. Alors, c'est ça qui est inquiétant pour notre rue, c'est la sécurité de la rue. Je pense que c'est on beau. Vous a entendu. Oui, je me répète, je le sais. Non, mais je veux dire, on a pris la décision à... Moi, j'ai l'impression de radoter, mais quand même, mais c'est important parce qu'on vous confirme. Fait, on peut pas, Mais c'est ce qu'on vous confirme. On vous a bien entendu, on a bien compris que la population ne voulait pas de ces immeubles à logement-là. Donc, on est vraiment dans de la résidence unifamiliale. Oui, parce que c'est unifamilial, mais des contigus aussi, là, ça veut dire quand même... Semi-détaché, ça veut dire quand même beaucoup de gens qui vont habiter cette section-là, qui vont revenir sur le boulevard Briand. C'est ça qui est inquiétant parce que sur notre rue, c'est déjà la sécurité de la rue est déjà limite. Là, avec Aimé Petit, je connais même une mère qui me disait qu'elle accompagnait sa fille de 9 ans à l'école en auto parce qu'elle s'inquiétait de la sécurité de la rue. Alors, si vous ramenez tous les gens qui vont être dans cette partie-là du boulevard Briand, sur la rue Briand, sur la rue, alors la sécurité risque d'être compromise. C'est ça là, qui nous inquiète. Mm-hmm. Mais on a bien entendu les commentaires là, dans les différentes consultations publiques. On prend encore en note, mais comme à un certain moment donné, si on permet une construction, il faut quand même permettre un minimum. Donc, l'unifamilial, c'est pas mal ce qu'on peut permettre de minimum. Oui, c'est ça, mais c'est qu'à un moment donné, quand on avance, rendu au point où on est rendu, peut-être qu'il y aurait lieu de faire des expropriations, puis de rentrer barré, puis sortir sur Salaberry, au lieu de tout ramener cette population-là, parce qu'eux vont avoir des problèmes, ceux qui vont habiter dans cette section-là. Là. Et nous, sur le boulevard Briand, qui est déjà limite, là, parce que ça circule beaucoup, on a déjà Aimé Petit qui sort à deux endroits. On a Briand numéro 2, puis là, vous allez ramener toute cette population-là encore sur la rue Briand. Je vais laisser M. Auclair. On va faire Mme Béliveau, puis bon, on va travailler en toute transparence. On va vous montrer le zonage, première des choses, le nombre d'unités qu'on a limité qui va s'aménager dans cette proposition-là. On est passé de propositions qui passaient de 120 unités de logement à autour de 90. Là, on parle beaucoup plus autour de 40 unités de logement au niveau de la densité. On va travailler aussi les aménagements piétons. Et je ne vous cacherai pas que sur Barré aussi, on a des problématiques de circulation. Je veux dire, c'est sûr qu'on a toujours le phénomène de sécurité. Puis je ne pense pas que c'est plus souhaitable actuellement qu'il y ait une sortie. Tout développement occasionne une modification du quartier, une augmentation de circulation, évidemment. Là, on ne se cachera pas. Mais c'est sûr que sur Barré aussi, on s'approche des corridors scolaires, on a l'école Sainte-Marie.
j'ai d'autres problématiques. J'ai plus de densité actuellement de résidences avec les OHM qui sont présents sur Barré. J'ai plus de duplex, triplex, siplex sur Deneau. C'est une zone qui est à plus forte densité, avec Oscar Vieux aussi, dans ce secteur-là. Fait que c'est sûr que la rue Brillant, on a de la résidence unifamiliale. On a bien entendu toute la problématique qu'on a eu à développer ce secteur-là. Puis on jugeait, avec les élus, que de permettre la résidence unifamiliale isolée, c'était une solution qui était raisonnable. Exproprier, vous ne l'avez jamais envisagé d'exproprier parce que ça peut être un investissement, parce qu'on ne peut pas revenir en arrière un coup que c'est fait. Là. Des fois, moi, je vois des parents qui vont chercher les enfants à l'école. Ça ne me surprend même pas, là, des fois. Ce que je peux vous dire, c'est qu'avec le promoteur, on va s'assurer que la rue qui va terminer au bout, parce que c'est une seule accès, va avoir un piétonnier. On a déplacé une maison pour la ramener sur notre rue, c'est ça. Il va avoir un accès sur barré piéton, d'aménagé. Ça, on va le valider avec le promoteur. Il va nous permettre, aux enfants qui vont à l'école William Latter et Sainte-Marie, au lieu de faire la boucle par Brillant, de pouvoir aller à l'école le plus rapidement possible. Mais même sur William Latter, on tombe essentiellement dans le cours d'école. Là, fait qu'on pourrait très bien négocier avec la commission scolaire un accès direct, si on voulait. Là. Ouais. Mais ces petites technicalités-là, au niveau piéton, de la clientèle marcheur, on va pouvoir les aborder avec le promoteur sans problème. Bien, c'est à s'assurer avant d'avancer dans la construction, parce qu'un coup, ça va être fait, vous ne pouvez pas rattraper ça, puis il reste peu de effectivement choses. Notre rôle, et on le prend bien au sérieux, effectivement, de bien développer puis de le faire de manière harmonieuse. Ça, c'est la MRC, là, par rapport à la densification, est-ce qu'il y a eu des développements par rapport à tout le réseau? On n'attendait pas de développement. C'est-à-dire qu'à Chambly, un avantage qu'on a par rapport à la densité, c'est le projet Brillant. Il y a plusieurs villes actuellement, je vous dirais, dans l'MRC, qui ne peuvent pas développer à des fins résidentielles unifamiliales parce que les seuils de densité ne rencontrent pas les seuils minimaux. À Chambly, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a du surplus actuellement. Fait que ça nous permet aussi de développer encore des secteurs qui sont à plus faible densité parce qu'on atteint déjà les seuils minimaux. Dans le fond, c'est un peu l'avantage qu'on a à Chambly, c'est qu'on n'est pas obligé de faire du duplex, du triplex, du siplex ou une grande tour de logement résidentiel pour atteindre le seuil minimal. On l'atteint déjà dans le cadre de nos études urbanistes. On l'atteignait en 2017, on l'atteint toujours en 2019. Là. En tout cas, c'est à faire attention parce que ça bouchonne pour entrer dans la ville. Puis moi, je vois ça là, sur Salaberry, la façon barrée débouche sur Salaberry près de Périgny. Si vous faites ça aussi sur Brillant, ça risque de bouchonner aussi sur la rue Brillant. Ça va, je ne sais pas comment ça va finir, là. Mais aussi cette sortie-là de toutes ces habitations-là sur Brillant. Un aménagement urbain comme ça, moi, j'ai des doutes. Je pense que ça mériterait peut-être d'être exproprié. En tout cas, c'est ma façon. On prend vos commentaires en note. Très bien. De toute façon, il y aura aussi la consultation publique. Donc, si vous voulez avoir plus de détails, poser des questions plus approfondies une fois que vous aurez consulté le... Vous m'avez dit quelle date? Le 3 février. 3 février. On va le publiciser, inquiétez-vous pas, on ne le cachera pas. Parfait, merci. 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 Madame Roberge. Bonsoir. Bonsoir. On m'entend? Oui. Je vais vous souhaiter bonne année à tous, la santé, l'amour, de la paix. Moi, on a répondu à ma question parce que je me rends compte que ce que j'aimerais, ce serait avoir comme quelque chose de plus technique, comment ça fonctionne. Là, je me rends compte que j'ai mal lu en lisant c'était un projet. Là, je me disais, ils ne sont pas pour adopter ça le même soir. Non, effectivement. Je ne sais pas si c'est la place ici ou faire une communication aux citoyens qui dirait, la façon que ça fonctionne dans des mots simples, là, quelque chose que je pourrais comprendre, là, vulgariser la chose, c'est la vie de motion, c'est quoi? C'est difficile de vulgariser tout ça parce que pour chacun pour chacune des catégories de règlements, il y a des processus assez complexes. Pour l'adoption du plan d'urbanisme, il a fallu revoir toute l'échéancier, aller revérifier comment ça se passait à vie publique, à vie de motion. Même pour nous, souvent, il faut reviser ces processus-là. Des fois, ça va changer aussi. Il faut s'actualiser avec les nouvelles normes. Donc, on essaie de vous faire un suivi assez serré. On avait déposé un échéancier d'adoption du plan d'urbanisme qui était en ligne déjà depuis un bout de temps. On va le mettre à jour. On va vous accompagner dans tout ça, mais soyez assurés qu'on va vous tenir au courant de toutes les étapes du processus. Vous ne serez pas tenus dans le noir. La consultation publique va être abondamment diffusée. Donc, on est vraiment en amorce du processus. On a un minimum de 6 semaines maintenant à l'adoption finale.
Donc, soyez sans crainte, là, vous allez, on va vous accompagner dans tout ça. Est-ce que pour la consultation publique, est-ce que vous prévoyez le faire ici ou bien le faire dans une salle plus grande? Ça va être au pôle culturel. Oui. En fait, la vie publique pour cette consultation publique-là, c'est dans le journal de cette semaine. Fait que vous allez voir, là, ça prend une page pour vous expliquer ce qu'il y en est, puis ça vous donne la date, là, la date qui est le 3 février à 19h au pôle culturel. Donc, il va y avoir de la place. Et, en plein dans mes vacances. Bon, en plus, mais soyez sans crainte, là. Si vous avez une question à partir de maintenant, vous consultez les documents, il y a quelque chose qui vous vient en tête, comme j'ai expliqué, sur le site web accompagnant le plan, vous allez avoir un lien qui vous permet d'envoyer vos questions. Ce n'est pas obligé d'être à la consultation publique pour nous exprimer votre point de vue. En tout temps, vous pouvez le faire d'ici à l'adoption et tout ça, ça va être pris en compte. Soyez-en assurés. Ah ben, vous répondez à mes questions, puis je suis bien contente d'entendre ce que j'entends. Bonne soirée, puis passez une belle semaine. Et bonnes vacances. Merci. On procède. 2.1, adoption de l'ordre du jour avec l'ajout en 15.1. Marie-Lise Desrosiers, je propose. Quand t'as le bot, j'appuie. 3.1, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 décembre 2019. Marie-Lise Desrosiers, je propose. Quand t'as le bot, j'appuie. 3.2, approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 décembre 2019 à 19h30. Julie Desnoyers, je le propose. Marie-Lise Desrosiers, je seconde. 3.3, approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 décembre 2019, 20h. Marie-Lise Desrosiers propose parce que M. Tétrou n'était pas là. Quand t'as le bas, j'appuie. Oh, pardon. Vas-y, non, vas-y, calme. Quand t'as le bas, j'appuie. Mine de rien, là, on s'habitue tout à un nouvel outil de conseil sans papier. Là, on a l'air un peu dissipé, mais vous allez voir, on va s'habituer. Ça va devenir plus sérieux, nos affaires. 3.4, approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 décembre 2019 à 20h. Carl Talbot, je propose. Julie Desnoyers, je l'appuie. 4.1, présentation du projet de règlement 2017-1359-01A amendant diverses dispositions du règlement 2017-1359 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale de la ville de Chambly. Juste mentionner, et là, ça va être en bloc, que pour les élus, que il y a eu quelques changements entre ce que vous avez reçu, ce qui a été livré vendredi, et ce qu'on dépose ce soir et qui va être déposé également sur le site de la Ville demain matin, et ça concerne des annexes. Parce que des annexes, il y en a beaucoup, énormément. Alors, j'ai reçu du service de l'urbanisme un annexe E60 qui a été remplacé par un nouveau et l'annexe E68. Alors, c'est deux annexes qui ont été remplacées. Alors, je dois le mentionner. Alors, voilà, ça c'est fait. Je suis en train de te proposer, hein? Attendez un petit peu, je vais juste le présenter. On a déjà notre proposeur à Pierre. C'est ça. Alors, le règlement sur les PIA identifie les aires de paysage faisant l'objet d'une évaluation qualitative selon les objectifs et des critères permettant d'assurer la qualité de l'implantation et de l'intégration architecturale selon les particularités des immeubles et de leur contexte bâti. Les principales modifications apportées à ce règlement visent à prévoir des objectifs et des critères pour les aires de paysage définis au plan d'urbanisme des secteurs du canal et de l'avenue Simard. Alors, 4.2, l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement 2017-1359-01A, amendant diverses dispositions du règlement 2017-1359 sur les PIA. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'avis de motion? Je donne l'avis. 4.3, présentation du projet de règlement 2017-1357-01A, amendant le règlement 2017-1357 sur les plans d'aménagement d'ensemble afin d'abroger les dispositions se rapportant à la zone R081. Le règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble prévoit les secteurs devant faire l'objet d'une planification détaillée afin d'assurer un développement cohérent du territoire avant de modifier le règlement de zonage. La modification apportée à ce règlement vise à soustraire de l'application du règlement sur les PAE une zone résidentielle elle-même abrogée, secteur de l'ancien Golfe. Alors voilà. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'avis de motion? Je dépose également le projet de règlement. Marie-Lise Desrosiers, je donne l'avis de motion.
Merci. Juste pour que tout le monde ait bien compris, c'est vraiment une zone que l'on retire du plan. Donc, dans l'idée où on ne change pas le zonage, on n'a pas besoin de créer une nouvelle zone, on se doit donc de la retirer. Puis souvent, si vous voyez qu'il y a des règlements qui s'intitulent le 2017, le pourquoi de tout ça, puis ça fait partie du nouveau plan d'urbanisme, puis c'est touché par le nouveau plan d'urbanisme, c'est que c'est des règlements qui ont été adoptés. On se souvient que ceux qui ont été refusés, en fait, c'est le zonage et le lotissement. Donc, on avait quand même quelque chose d'adopté, fait qu'il faut retravailler dans ces paramètres-là. C'est pour ça qu'on a le 2017 qui reste et qui suit... 4.5, présentation du projet de règlement 2017-1353-01A sur les permis et certificats afin d'introduire des règles de gestion des demandes de permis d'un usage contingenté et de modifier la tarification de certains permis et certificats d'autorisation. Alors, en fait, sur le projet qui avait été déposé en 2017, il n'y a pas vraiment de changement. Avez-vous quelque chose à ajouter, M. Auclair? Non. Parfait. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'avis de motion? Julie Daigneault, je donne l'avis de motion. Merci. 4.7, présentation du projet de règlement 2020-1430 du plan d'urbanisme de la ville de Chambly. Alors, avis de motion des règlements du plan d'urbanisme, du règlement de zonage de la ville de Chambly et de lotissement de la ville de Chambly afin d'assurer la concordance au schéma d'aménagement révisé de la MRC de la vallée du Richelieu et du PMAD de la communauté métropolitaine de Montréal. Des révisions ont été apportées quant aux propositions de redéveloppement de certains sites résidentiels par rapport à la version déposée aux citoyens en 2017. Le plan d'urbanisme établit les grandes lignes directrices de l'organisation spatiale selon une vision d'aménagement de son territoire. Le règlement de zonage découpe le territoire en zones, classe les usages et régit l'occupation du sol. Le règlement de lotissement contrôle le découpage des lots et régit les voies de circulation. L'adoption de ces règlements abroge les règlements 90-606 du plan d'urbanisme de la ville de Chambly, 93-02 du zonage de la ville de Chambly et 93-03 de lotissement de la ville de Chambly. Comprendrez que c'est donc les trois prochains règlements. Alors, l'avis de motion pour le plan d'urbanisme de la ville de Chambly. Est-ce que j'ai quelqu'un? Julie Daigneault, je donne l'avis de motion. Merci beaucoup. Alors, en 4.9, le règlement 2020-1431 de zonage. J'ai lu la présentation. Alors, en 4.10, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'avis de motion du règlement 2020-1431 de zonage de la ville de Chambly? Marie-Lise Derosier, je donne l'avis de motion. Merci beaucoup. 4.11, la présentation du projet de règlement 2020-1432 de lotissement de la ville de Chambly. J'en ai fait la lecture. À 4.12, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'avis de motion? Charles Tétro donne l'avis. Merci beaucoup. 5.1, adoption du règlement 2019-1422 modifiant le règlement 83-327 sur la circulation. Il s'agissait, Madame la mairesse, de notre modification pour l'amende. Pour les stationnements nus. Alors, voilà. J'ai une proposition. Marie-Lise Derosier, je propose. Julie Daigneault, je l'appuie. 5.2. Adoption du projet de règlement 2020-1430 du plan d'urbanisme de la ville de Chambly. Julie Daigneault, je le propose. Marie-Lise Derosier, je seconde. 5.3. Adoption du projet de règlement 2020-1431 de zonage de la ville de Chambly. M. Audetreau propose. Quand t'as le bas, j'appuie. 5.4. Adoption du projet de règlement 2020-1432 de lotissement de la ville de Chambly. Quand t'as le bas, je propose. M. Audetreau seconde. 6.1. Non-renouvellement de la réserve foncière pour fins publiques, lot 5 300 051 du CADAS du Québec, Club de golf de Chambly. Marie-Lise Derosier, je propose. Julie Daigneault, je l'appuie. Il y avait une question. J'ai encore une fois une espèce de sondage qu'on a tenu sur Facebook. Donc, ceux qui ne peuvent pas être présents avec nous m'ont envoyé un peu leur questionnement sur les points à l'ordre du jour. Donc, dans ce cas-ci, c'est qu'on ne renouvelle pas la réserve foncière là, qui était sur les lots de l'ancien golfe de Chambly. Donc, on garde un zonage récréatif dans le nouveau plan d'urbanisme. Donc, il n'y avait pas de raison de conserver cette réserve foncière. Voilà, on procède donc. 6.2, octroi d'une bourse totale de 100 $ pour deux élèves résidents de Chambly, remise de diplôme honorifique des élèves de 5e secondaire de l'école secondaire du Mont-Bruno. Quentin Bodge propose. Julie Daigneault, je l'appuie.
6.3, résolution visant à la libération des fonds de garantie en assurance bien du regroupement Varennes-Sainte-Julie pour la période du 1er décembre 2014 au 1er décembre 2015. Carte Talbot, je propose. Julie Denis, je l'appuie. 6.4, octroi de mandat à Capréa pour faire évaluer tous les bâtiments municipaux, 18 000 plus taxes. Carte Talbot, je propose. Je suis en tête 3 secondes. Il y avait une question sur Internet à propos de ce point-là. En fait, c'est un mandat pour les évaluations pour les frais d'assurance. Donc, c'est quelque chose qu'on doit renouveler sur une base régulière. Puis, Capri a déjà pas mal d'informations sur nos bâtiments. Donc, ça va être une mise à jour qui va être faite avec les informations qu'ils ont déjà. 6.5, dépôt du certificat du registre pour le règlement 2019-14-13 décrétant une dépense et un emprunt de 6 140 000 concernant les travaux de prolongement des infrastructures des rues Samuel Hatt et Jean-Baptiste Mani. Alors, je dépose le certificat de la tenue de registre et personne n'est venu signer. Dépôt du certificat du registre pour le règlement 2019-14-21 décrétant de dépenses et un emprunt de 4 570 000 concernant des travaux de réfection des rues David, Saint-Jacques, Jacques Sachet, des voltigeurs Cooper et Charles Boyer. Alors également, personne n'est venu signer le registre, Madame la mairesse. Je dépose le certificat. 6.7, nomination de Madame Marie-Pierre Hébert à titre de greffière suppléante à la Cour municipale. Julie Desnoyers, je le propose. Marie-Lise Desrosiers, juste seconde. 7.1, modification du bassin de taxation, règlement d'emprunt 2006-1026. Julie Desnoyers, je le propose. Je suis en 3 secondes. 7.2, modification du bassin de taxation, règlement d'emprunt 2010-1170. Carte en bas, je propose. Je suis en 3 secondes. 7.3, modification du bassin de taxation, règlement d'emprunt 2011-1207. Carte Talbot, je propose. Je suis en 3 secondes. 7.4, modification du bassin de taxation, règlement d'emprunt 2009-1123. Carte Talbot, je propose. Je suis en 3 secondes. 7.5, financement des dépenses, engagements et provisions 2019 et 2020 du pôle culturel. Carte Talbot, je propose. Julie Desnoyers, je l'appuie. 7.6, approbation du paiement des comptes payables pour les activités financières au 14 janvier 2020. Marie-Lise Desrosiers, je propose. Carte Talbot, j'appuie. Vous êtes allé trop vite. Il y avait quelqu'un qui avait une question sur le pôle. Je l'avais en ligne. Je n'ai pas l'idée de la question, mais quelqu'un voulait avoir des explications supplémentaires. Monsieur Auclair, pourriez-vous expliquer pour, dans le fond, la provision? Oui, en fait, les dépenses du pôle, évidemment, on achève. On est en réclamation finale avec l'entrepreneur général. Ça veut dire toutes les petites déficiences. On a certaines retenues de sommes de professionnels. Ce qu'on fait, c'est que le trésorier demande de provisionner des sommes à même le budget 2019 pour les appliquer, dans le fond, à une dépense 2020. Ce que ça évite, c'est qu'on ait, exemple, un surplus d'opérations en 2019 et sachant très bien qu'on a encore des déboursés à faire dans le cadre de ce chantier-là. Le trésorier retient certaines sommes de l'année financière 2019 pour appliquer, pour finaliser le projet du pôle, qui devrait, là, selon toute vraisemblance, là, je vous dirais d'ici, je pense, la séance de février ou mars, on devrait avoir complété les réclamations des différents, surtout au niveau du chantier, ça devrait être complété. Puis je veux vous rassurer aussi, là, une fois qu'on aura vraiment tous les chiffres finaux, qu'on sera capable d'avoir un portrait clair, c'est sûr qu'on va vous diffuser l'information puis vous donner vraiment un verdict final là, sur tout ce que ça aura coûté pour vous tenir bien au courant là, de ce qui s'est passé dans ce dossier-là. Ça s'en vient. 7.7, dépôt des listes des paiements effectués à l'égard des dépenses préautorisées pour les activités financières et les activités d'investissement pour la période du 4 décembre 2019 au 14 janvier 2020. Carl Talbot, je propose. C'est un dépôt, M. Talbot. Carl Talbot, j'appuie. Madame la mairesse, je dépose tous les documents de nature financière en lot au point 7.6 à 7.9. Merci beaucoup. Voilà. 7.8, le dépôt par le directeur général par intérim de la liste des amendements budgétaires pour la période du 1er au 31 décembre 2019, c'est fait. 7.9, dépôt du rapport de la direction générale sur la délégation de pouvoir de dépenser en matière d'honoraires professionnels ou autres dépenses inférieures à 25 000, c'est fait. 9.1, adoption du bilan 2018-2019 et mise à jour du plan d'action à l'égard des personnes handicapées 2018-2020. Marie-Lise Desrosiers, je propose. Julie Desnoyers, je l'appuie.
J'avais une interrogation à propos de ce point-là sur Internet. Donc, c'est en fait, annuellement, on va déposer un bilan et une mise à jour là, d'un plan d'action là, qu'on conserve tout au long de l'année pour l'accessibilité aux personnes handicapées. Donc, c'est un plan d'action qui est disponible sur Internet. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à aller le consulter sur Internet, communiquer avec nous, puis on est capable de vous aiguiller pour mieux le comprendre ou vous éclairer sur les questions. 9.2, octroi d'un contrat de service de gré à gré pour l'offre et l'organisation des camps spécialisés cuistaux par l'organisme La Corne d'Abondance. Julie Daigneau, je le propose. Allez-y, M. Tétrault. Charles Tétrault, seconde. 9.3, octroi d'un contrat de service de gré à gré pour l'offre et l'organisation des camps spécialisés soccer par le club de soccer L'Arsenal de Chambly. Cantal Bas, je propose. Marie-Lise Desrosiers, je seconde. 9.4, octroi d'une aide financière à l'organisme aux sources du bassin de Chambly pour financer l'étude de leurs impacts sur les familles de Chambly pour le montant de 2 500 $. Virginie Nall propose. Richard Tétrault, seconde. 10.1, mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de différents bacs bleus, bacs bruns et pièces associées pour les réparations pour les collectes de matières résiduelles. Carte Talbot, je propose. Virginie Nall appuie. 10.2, signature du pacte pour la transition. Carte Talbot, je propose. Virginie Nall appuie. Il y avait des interrogations, semble-t-il. Ah, bien, monsieur Talbot, bon, allez-y, vous pouvez donner des explications. D'abord. Ben, non, ça me fait plaisir. Bien, j'en ai parlé un petit peu plus tôt avec la question de M. Bugeaud, entre autres. J'ai abordé la question de la signature du pacte pour la transition. Évidemment, c'est une déclaration, c'est une image, dans le fond, pour Chambly. Le pacte, en faisant la signature pour Mme la mairesse, pour la ville de Chambly, puis pour ceux qui l'ont peut-être déjà fait déjà en 2018, c'est une déclaration à savoir qu'on ne sera pas parfait, mais qu'on est prêt à faire le maximum avec les moyens qu'on a pour l'environnement, puis notre environnement, Chambly, entre autres. Et il y a plusieurs choses, dont la politique pour l'environnement. Et moi, j'entends travailler très, très fort en 2020 pour faire le maximum à cet effet-là, très humblement, là, avec les moyens du bord. Mais ça me tient énormément à cœur, puis on va y travailler très fort, entre autres avec mon collègue, M. Gélina, sur la table et plusieurs citoyens. Et on invitera aussi par moment d'autres citoyens qui ne sont pas nécessairement sur la table, mais qui ont des opinions, qui ont des expertises en ce sens-là. On va probablement même recommander, sans le savoir à l'avance, là, très honnêtement, je n'ai pas de boule de cristal, mais je suis certain de ça, qu'on va faire des recommandations, conseils pour certaines résolutions et peut-être même faire appel à des firmes externes pour avoir l'expertise et être à même d'atteindre nos objectifs. Donc, je voulais juste faire une petite mise en contexte par rapport à ça. Parfait. Aucune idée si ça répond à la question Facebook. On n'a pas de questions en soi, c'est des interrogations, donc je pense que ça met la table. Donc, un petit premier pas vers quelque chose de beaucoup plus grand. Oui. Voilà. Merci. Merci pour l'ouverture aussi, à travers tout ça, avec cette proposition-là. Plaisir. Oui. 10.3, achat d'un contenant pour la récupération de verre au coût de 11 386,23 $, taxes et transports inclus. Julie Daigneau, je le propose. Les heures, je l'appuie. 10.4, conduction et bonification des programmes de subvention pour l'achat de barils, récupérateurs d'eau de pluie, de couches réutilisables et de serviettes hygiéniques pour une somme totale ne dépassant pas 6 000 $ annuellement. Julie Daigneau, je le propose. Carl Talbot, je l'appuie. Juste une petite mention, il y avait un interrogatoire. Serré l'interrogatoire en plus. Marie-Lise Desrosiers sort de ce corps. Il y avait une interrogation sur ce point-là. En fait, c'est un programme qui existe déjà, un programme de subvention qui existe déjà au niveau de la ville de Chambly. On ajoute, on le bonifie en fait avec les serviettes hygiéniques lavables. Donc, on rajoute ça à ce programme-là cette année. Qui sait l'année prochaine, là, si on ne l'agrandira pas à d'autres possibilités, mais c'est déjà un autre pas dans cette direction-là cette année. Voilà. 10.5, contribution au fonds des municipalités pour la biodiversité. Virginie le propose. Carl Talbot, je l'appuie. Ça, je suis contente d'ajouter une précision. En fait, c'est un magnifique fonds. Je suis très contente qu'on contribue à ce fonds-là. Donc, c'est une façon pour nous de faire fructifier des sous qu'on va investir pour la protection de la nature.
En fait, le Fonds des municipalités pour la biodiversité, c'est qu'on va investir jusqu'à 1 $ par foyer, donc du territoire de la ville de Chambly, et qui va faire des petits, qui va nous redonner, je pense que c'est jusqu'à 31% de bonification du montant, donc pour réinvestir dans des projets de conservation de milieux naturels, donc pour aider à la biodiversité. Et c'est un beau moyen là, de faire fructifier vos sous pour aller réinvestir dans des infrastructures vertes. Donc, on est bien content de le faire. 11.1, autorisation de paiement d'honoraires supplémentaires à la firme en scénographie Mario Brien Inc. dans le cadre du projet du Pôle du savoir de l'histoire et de la culture d'une somme de 7 167,26 $, taxes incluses. Quand à la bas, je propose. Marie-Lise Desrosiers, j'appuie. Je pense que c'est le dernier point auquel j'avais une petite interrogation. Donc, encore une fois, là, c'est dans les décomptes là, du pôle culturel. Donc, pour terminer tous les chantiers, comme je le disais, on aura vraiment de l'information plus précise puis un portrait global de la situation sous peu. Là, mais pour l'instant, c'est difficile pour moi de répondre. Je ne sais pas exactement la question, donc… 11.2, autorisation de paiement du décompte progressif numéro 6 à l'entreprise Excavation Jonda Inc. dans le cadre du projet SC 2018-04, travaux de réfection de la rue La Fontaine au montant de 33 927,68 $, taxes incluses. Carl Talbot, je propose. Julie Desnoux, je l'appuie. 11.3, autorisation du paiement du décompte progressif numéro 9 à l'entreprise Construction Bugère Inc. dans le cadre du projet ST 2018-21, travaux de réfrigération du centre sportif Robert Lebel au montant de 88 960,38 $, taxes incluses. Carl Talbot, je propose. Chanter 3 secondes. 11.4, autorisation de signature du protocole d'entente avec la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation relativement à l'octroi d'une aide financière dans le cadre du volet 1 du Fonds pour infrastructure municipale d'eau FIMO pour le remplacement des conduites des rues David, Cooper, Salboyer, Saint-Jacques, des Voltigeurs et Jacques Sachet pour 3 095 925. Carte à je propose. Julie Desnoux, je l'appuie. 11.5, autorisation du paiement du décompte progressif du mois de novembre 2019 à l'entreprise Le Groupe des Carrel Inc. dans le cadre du projet ST 2017-22, travaux de construction du pôle du savoir de l'histoire de la culture, phase 2, d'une somme de 34 985,09 $, taxes incluses. Julie Desnoux, je le propose. Quant à le budget, je l'appuie. 11.6, autorisation du paiement des travaux supplémentaires dans le cadre des travaux de construction du pôle culturel de Chambly à l'entreprise Le Groupe des Carrel Inc. au coût de 40 266,87 $, taxes incluses. Marie-Lise Desrosiers, je propose. Je chante 3 secondes. 14.1, modification de la lettre d'entente pour le projet pilote d'un an au pôle culturel de Chambly. Je chante 3 propose. Quant à le budget, j'appuie. 14.2, entente de conciliation, retrait des griefs 17-2017, 19-2017, 21-2018, 23-2018 et 17-2019. Marie-Lise Desrosiers, je propose. Carl Talbot, j'appuie. Et finalement, j'avais dit que c'était mes derniers points avec des interrogations, mais les trois dans le point 14 dans les ressources humaines, il y avait des interrogations. En fait, le 14.1, c'est vraiment un projet pilote pour couvrir les besoins de main-d'œuvre. Dans le fond, avec les heures d'ouverture du pôle là, qu'on est en train d'apprivoiser avec l'ouverture. Donc, on modifie certains items. Après ça, 14.2, l'entente de conciliation, ben, c'est avec bonheur, ce sont des griefs qu'on a réglés. Donc, on est content de pouvoir fermer les dossiers. Vous comprenez que pour des raisons de confidentialité, on ne peut pas donner tellement de détails. 14.3, on y arrive, c'est un projet d'entente. En fait, on veut essayer un projet pilote pour essayer de ramener à l'interne l'entretien ménager des bâtiments municipaux. Donc, c'est une belle nouvelle pour Chambly. Si on est capable de s'offrir un meilleur service nous-mêmes, on va le tester. Je vous laisse procéder. 14.3, projet d'entente, mise en place d'un projet pilote visant les tâches d'entretien ménager dans divers bâtiments municipaux. Marie-Lise Desrosiers, je propose… Richard, t'es 3 secondes. 15.1, affaires nouvelles. Félicitations à Raphaël Lavoie pour la victoire du Canada et l'obtention de la médaille d'or. Serge Hunel propose. Marie-Lise Desrosiers, seconde. Madame la mairesse? Oui. Il va y avoir la période de questions, mais j'aurais besoin de parler. Est-ce que la directrice d'urbanisme est toujours dans la salle? Oui. Oui. J'aurais besoin de parler. Oui, avant qu'on ferme la séance? Parfait. Madame Charest, est-ce que vous pouvez venir nous voir? Je vous raccroche le micro.
vais leur laisser. Tout est beau? Tout est beau, merci. Parfait. Donc, on ouvre la deuxième période de questions. Dites-moi pas qu'on a bien fait ça au point qu'il n'y en a pas. Ah! Faut pas parler trop vite, hein? Je pensais bien, mais non, j'en ai déjà aîné une coupe. Chevrier. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je voulais simplement dire que quand on a passé à travers tous les points 4, j'ai eu comme un petit velours. Je suis en arrière, je regardais tous les gens dans la salle il y a 2 ans. Il y a eu une grande bataille à Chambly, puis on voit quand même un certain résultat. C'est certain, Mme la mairesse, que vous devez prévoir une très, très grande salle pour le 3 février, parce que vous savez qu'on, il y a, je ne sais plus quelle année, là, Jean-Marc pourrait nous le rappeler, mais on était déjà une bonne centaine à commenter le plan d'urbanisme. On va encore le faire. Mais à quelque part, avec tous les citoyens de Chambly qui sont dans cette salle ce soir, c'est certain que c'est un résultat commun qu'on obtient en voyant la modification de ces règlements. Et j'en suis bien heureuse. Bravo. Merci. Merci. Rebonsoir. Bonsoir. D'abord, au sujet des félicitations à Raphaël Lavoie, je voudrais ajouter ma voix aussi aux autres. J'espère qu'il va y avoir quelque chose peut-être dans l'écluse ou dans le... Bien, ça a été ajouté à l'heure du jour. Je vous dirais que suite à certains commentaires, en fait, une citoyenne qui était venue au micro dernièrement pour nous parler de trouver une idée pour souligner certains citoyens qui auraient... accompli des choses exceptionnelles. On est en train de travailler sur quelque chose. Je ne veux pas trop vous en dire tout de suite, là, mais surveillez ça. On travaille sur un beau projet pour reconnaître les efforts des gens. Oui. Alors, évidemment, il faut absolument que quelqu'un pose une question sur la réserve foncière. Deux questions un petit peu techniques. D'une part, la loi dit qu'on peut faire une réserve foncière de 2 ans, qu'on peut renouveler une seule fois. Si on ne la renouvelle pas, est-ce que plus tard, on peut revenir puis faire une autre réserve foncière de 2 ans? Ou est-ce qu'on peut la renouveler ensuite? Je vais laisser Mme Desrosiers répondre. Ouais. L'information, juste pour vous dire, l'information sur les réserves foncières, il y a le site Internet, il y a le site des informations sur le ministère des Affaires municipales. Sur cela, il y a plein d'informations pour les conseillers puis pour les gens aussi. Donc, ils parlent de la réserve foncière. Et dedans, on dit, si je ne me trompe pas, si j'ai bien retenu, une réserve foncière, c'est 2 ans. Au bout du 2 ans, bon, s'il n'est pas renouvelé, il tombe. Il peut être renouvelé avant l'échéance, donc pour un autre 2 ans. Et si elle n'est pas renouvelée, il faut attendre, si je ne me trompe pas, 2 ans avant d'être capable de renouveler, de refaire une nouvelle réserve foncière. Oui, il y a aussi cette réserve foncière-là. Évidemment, une réserve foncière, ça vise des fins publiques. Voilà. Dans la résolution d'origine, en 2017, ce qu'on disait dans la réserve foncière, c'est que la ville, bon, on travaillait le prolongement de l'avenue Bourgogne, et ça visait que le conseil était pour statuer à savoir c'est quoi l'autre projet public. C'est sûr que l'application d'une réserve foncière, c'est un outil, on appellerait ça de pré-expropriation essentiellement. Et une fois qu'on a déterminé un zonage, qu'on ne bougeait pas ce zonage-là, parce que le contexte, en 2017, on avait donné une affectation résidentielle et commerciale à ce site-là essentiellement, et on avait un plan d'aménagement d'ensemble qui venait déterminer les densités. Alors, l'outil ou le mécanisme que le conseil a utilisé pour rassurer la population à l'époque était la réserve foncière pour geler le développement. Maintenant qu'on a, en tout cas, le temps de se donner le temps de réfléchir aussi à ce secteur-là, de voir les qualités environnementales de ce secteur-là, à savoir si la réserve foncière, on va l'appliquer sur l'ensemble du terrain, une partie du terrain. Il faut un peu déterminer nos besoins publics avant d'appliquer une réserve foncière à nouveau. Et aussi, bien, on a du zonage qui est maintenu tel quel dans ce secteur-là. Fait que la pression sur le développement... Généralement, on va appliquer une réserve foncière sur un lot qui est développable et qui a une pression en matière de développement, ce qui n'est pas le cas là, à l'heure actuelle si on maintient un zonage de type récréatif. Secteur-là. D'accord, parce qu'un autre volet de la réserve foncière aussi, c'est que si
S'il n'y a pas de réserve et que le propriétaire investit sur son terrain, à ce moment-là, au moment où la ville éventuellement voudra acquérir le terrain, que ce soit par expropriation, par exemple, donc elle doit prendre en compte les investissements qui ont eu lieu, alors que pendant la réserve foncière, ce n'était pas le cas. C'est-à-dire que la valeur de l'évaluation était plus ou moins gelée. Enfin, elle ne prenait pas en compte, en tout cas, les éventuels travaux ou développements qui auraient pu avoir lieu sur le terrain. Bien, en fait, je suis d'accord avec vous, mais par contre, c'est sûr qu'en autorisant le golf à opérer de nouveau, c'est sûr qu'il y a une question de préjudice aussi aux propriétaires qu'il faut tenir en compte. Là. C'est sûr que du zonage qu'on donne à l'heure actuelle, c'est un zonage qu'on appelle de type récréatif, et espace vert, espace public, et on lui permet de toujours opérer le golf qui était le zonage original de 93. C'est sûr qu'il y a des améliorations, puis le golf revient en opération, puis on désire l'exproprier à nouveau, bien, oui, il va avoir un impact financier pour la ville, tout à fait. Là. Exproprier un terrain vague, non desservi, ou exproprier un golf en opération, j'imagine que les coûts vont monter si jamais c'est le cas. Là. Parce que ça pourrait être des investissements, pas pour faire un golf, pour faire d'autres activités de type… Actuellement… Il n'y a pas d'autres usages de permis dans la… C'est-à-dire que… On a un zonage qui n'autorise pas d'autres types d'usages actuellement pour lequel il était dédié en 80. Que le golf. Voilà. Et ça, puis des usages. On peut faire un parc d'amusement? Non, on a restreint. En fait, c'est pas compliqué. Le secteur du golf, vous pouvez sous-entendre qu'on avait une zone avec des usages qui étaient permis à l'intérieur de notre règlement 93. Et c'est ce qu'on a transposé à cette zone-là pour l'instant. Je ne vous dis pas que le conseil ne réfléchira pas. On a évidemment des problèmes de transport, des problèmes de circulation. On doit faire une bonne réflexion environnementale sur ce site-là. C'est ce qu'on s'engage à faire, même au niveau des immobilisations. Il va falloir rencontrer le propriétaire aussi, voir. Puis, quand on parle d'usage public, il faut que la ville détermine ce qu'ils veulent faire comme usage public. C'est-à-dire qu'avant d'appliquer une réserve foncière, si je veux le faire pour des parcs, des infrastructures de loisirs, une rue, une station de pompage, une usine d'épuration, bien, il faut que je le détermine normalement dans le contenu de la résolution. Et d'appliquer la réserve à vraiment des fins publiques. C'est-à-dire, il faudra rajouter parc d'amusement aussi. Je trouve que l'idée est bonne. en fait, la réserve de 2017 a spécifié tout simplement que le conseil va étudier la possibilité d'en faire un usage public et que c'était pour le prolongement de l'avenue Bourgogne. Maintenant, si jamais on réapplique une réserve, elle sera probablement mieux déterminée. Si on a besoin de le faire, on s'entend que c'est... Merci. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, André Labarre. Bonsoir. Bonne année à tous. Moi aussi, j'aimerais vous remercier d'avoir tenu compte de ce que la population a émis comme commentaire lors de la dernier plan d'urbanisme. Plus précisément pour le golf, je pense que maintenir un zonage récréatif, bien, c'est un plus. Là, on s'enlignait vers un projet résidentiel. Puis je pense que, comme M. Auclair vient de le mentionner, il y a peut-être d'autres avenues à regarder, peut-être pas... un parc d'attractions. J'ai une autre idée que je vous soumettrai en temps et lieu. Ça commence pas par parc aussi, mais ça finit par nature. C'est oiseau qui m'a parlé de celle-là. Je suis si transparent. On aime ça, la transparence. Donc, je voulais vous remercier pour ça. Puis c'est sûr que, comme disait Louise aussi, on va prendre l'opportunité de bien regarder votre nouveau projet de règlement d'urbanisme. Vous pouvez compter sur nous qu'on va le qualifier. Puis toujours de façon très positive. Là. Mais déjà de maintenir le zonage en tant que tel, d'avoir retiré la zone R081, c'est une bonne nouvelle. Donc, merci. Puis on se souhaite une bonne année puis une belle continuation en environnement. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonsoir. Bonsoir. Bonne année à tous. Mais oui, à vous aussi. En fait, là, j'aurais peut-être deux questions. La première, sur le même sujet, où on parle là, de l'affectation au niveau du golf. Et là, je veux juste faire éclairer ma lanterne. Qu'advient-il du processus de concordance avec le schéma de la MRC? Parce que ce que je comprends, c'est qu'on retire... l'usage résidentiel de ce secteur-là. On remet dans le plan d'urbanisme l'affectation récréative, mais il
parce qu'un des débats qu'on a eus dans les deux dernières années... C'est qu'il est déjà zoné résidentiel à la MRC. Oui, tout à fait. Alors, juste éclairer ma lanterne, là, qu'advient-il de ça? Est-ce que, par exemple, la MRC pourrait se retrouver à bloquer l'adoption du plan d'urbanisme parce qu'ils jugent non concordant? Jusqu'à présent, je ne les ai pas trouvés qui essayaient de bloquer. Ils ont hâte de le voir, notre plan d'urbanisme, mais M. Auclair peut peut-être répondre. En fait, ce qu'il faut penser, un schéma d'aménagement n'est pas opposable aux citoyens. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une affectation, c'est une grande bulle de planification et d'orientation. Il n'y a rien qui empêche dans une affectation résidentielle d'avoir, exemple, des commerces de quartier. Je vais vous donner l'exemple de la place des Lilas, qui est un petit îlot commercial. Ils n'ont pas fait une affectation commerciale pour un lot. C'est dans une grande affectation résidentielle, puis ils permettent des commerces de proximité à l'intérieur de l'affectation résidentielle pour répondre aux besoins de la population locale, dépanneurs, nettoyeurs, tout ça. Ils vont gérer les grandeurs et les superficies. Pour le parc, votre question, évidemment, ils ne font pas une affectation pour les 50 parcs et espaces verts de Chambly, ni les espaces récréatifs. Je n'ai pas une bulle autour du Parc des Patriotes, qui est un espace affecté à des fins récréatives et scolaires. Je n'ai pas une bulle au Parc des Robert Lebel, qui est en affectation aréna et parc et espace vert. Généralement, c'est une grande affectation résidentielle. Ça, c'est des usages qu'on appellerait de proximité ou qui sont autorisés comme usages complémentaires à la grande affectation résidentielle. Il n'y a rien qui empêche la ville d'affecter une partie de son territoire en golf, en récréatif, en parc nature, à même une affectation résidentielle. C'est des usages complémentaires qui sont permis au schéma d'aménagement et on reste conforme. Parfait. Je suis bien heureux de l'entendre. Lanterne éclairée. Ah oui. Et la lumière fut. L'autre question, c'est juste en termes de compréhension, là, d'ordre technique. Oui. Je suis au point 7.1 à 7.4. On parle de modification du bassin de taxation, puis on réfère à des règlements d'emprunt qui datent de 2006, 2011, 2009, 2012. Très, très simple. En fait, souvent, ce qui arrive, c'est qu'au moment où on va faire le lotissement puis on va découper chacune des petites des zones de bassin d'emprunt, il va y arriver quand le projet puis le final, il y a un lot de plus qui s'est rajouté et donc qui n'était pas inclus dans le premier projet puis qu'il faut rajouter. Donc, c'est vraiment des petits correctifs, des détails, un ou deux lots qui manquaient à chacun des bassins. Okay. Donc, on vient rajouter. Donc, on est vraiment là pour mettre plus pointu, là, Le bassin de taxation pour les endroits qui sont desservis par ces règlements d'emprunt. Oui, des lots qu'on aurait oubliés qui, effectivement, profitent de l'infrastructure puis qu'on vient greffer à ce bassin existant-là. C'est très clair. Merci. Ça fait plaisir. Merci. Là, on a vraiment fait une bonne job. 17, levée de l'Assemblée. Marie-Lise Desrosiers, je propose. Merci une nulle seconde. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée tout le monde. Merci. Bonne année. Oui, ça va bien. Je vais m'envoyer juste un courriel. Mais ça va être une chose, une boîte, des couches. Vous des régisseurs? Oui. Faites son mieux, Mario. Les citoyens. Faudrait que je valide les ressources humaines. Est-ce que passer des entrevues? Normalement, on fait juste des retours aux gens qui sont retenus en entrevue. C'est ça, ben oui, fait qu'on va pouvoir s'en procurer. Si jamais votre neveu a été appelé en entrevue, les candidats qui ne sont pas retenus dans le cadre de l'entrevue, là, oui, on est des demandes. Pas les candidats. On va accuser réception, on va recevoir un accès de réception lors de son dépôt en CV. C'est ça, il va envoyer un suivi automatique. Il n'est pas retenu, là, on fait juste des suivis pour les... Tant qu'on va avec 5 ou 6 personnes qui vont en entrevue, là, on va faire des suivis pour les gens qui sont pas retenus. Là, je vous dirais, au niveau des régisseurs, la plupart ont été comblés à l'interne. C'est des candidatures internes et externes. C'est pas un bac. Les candidats à l'interne qui ont pris des emplois qui étaient plus bas que régisseurs. Dans la plupart des cas, en tout cas, ceux qui ont été affichés avant les fêtes ont été comblés à l'interne. Mais ça ne veut pas dire, par contre, qu'on ne va pas à l'externe. Je veux dire, quand on a des candidatures, dans certains cas, des fois, les candidatures, c'est mieux à l'externe.